Voici donc le domaine du devant, c'est un peu de veine, on ne sait rien comment on dit. C'est un peu genre Castillon, pas le plus petit. Plein de chevaux aussi, plein de gens, pas à cette heure-ci. Pas de champignons, au cas où. Et c'est entre Istres et le Ranquet. Ouais, c'est ça. Pile poil. Et l'étang de Berre, lui, ben là vous verrez, il est tout noir parce qu'il y a le soleil en face. Et là, là. On le verra mieux tout à l'heure. Ben voilà, l'étang de Berre, il est là. Là, je suis au bout du domaine. Barrage Saint-Mitre en face. Le Ranquet, c'est juste dans le trou là. C'est un quartier de Istres. Petite balade. Au soleil, ça va faire tout noir. Non? Je vois rien que les lorgnons. Allez, cette fois, je suis entre Saint-Mitre et Barrage. Barrage, c'est ce qu'on voyait au fond tout à l'heure. Tâchez d'aller doucement pour les vibrations. Pareil, hein, c'est tous des coins que dès qu'il pleut, c'est même pas la peine de venir. Même si c'est en pente, c'est bouillant qu'on ne peut pas rouler. Et d'ailleurs, j'y suis. Voilà, barrage. Massane, barrage et l'étang de Berre. Et si je porte le vélo, c'est encore mieux. Et moi, je file par là. Allez, dernière séquence avant le retour. J'espère que je vais pouvoir rouler là. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que j'ai pas envie de descendre ça d'une main. Bon, ben voilà, descendre de Saint-Mitre sur la route qui mène à la maison. Voilà, petit tour touristique. Là, j'en suis à 37 km, ça fera 42.